Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer l'invite de commande en administrateur de trois manières différentes. Allez, c'est parti! Là, on est sur Windows 10. En bas, vous tapez CMD. Si vous n'avez plus la barre de recherche, il suffit d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Vous tapez CMD. Ensuite, un clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Et là, votre invite de commande est bien en administrateur. Sinon, vous pouvez aussi, avec un raccourci clavier, faire un CMD et là, vous appuyez sur la touche CTRL et majuscule ou la flèche du haut à gauche de votre clavier. Vous la maintenez appuyée tout en appuyant sur Entrée. Et on lance notre invite de commande en administrateur. Deuxième méthode, vous faites un clic droit en bas à gauche sur le menu Démarrer et suivant votre version de Windows 10, vous aurez ou Invite de commande ou Windows PowerShell entre parenthèses en admin. Vous pouvez lancer le Windows PowerShell, il reprend toutes les commandes MS-DOS. Voilà pour ce qui est de la deuxième solution. Enfin, la troisième, il suffit d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Allez dans le disque C Windows, allez dans Système 32 et recherchez CMD. Vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voici trois méthodes différentes pour lancer l'invite de commande à l'administrateur. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!